voit. Allez, c'est parti. Bon, ça doit montrer mon écran. Donc ça, c'est ce que je vous conseille d'utiliser plutôt pour le soir. Donc ou ça, c'est extrêmement utile dans la journée. Je vous conseille d'utiliser plutôt pour le soir. Donc ou ça, c'est faut extrêmement utile dans la journée. Je vous conseille d'utiliser plus. Hop, ça c'est mieux. Ça, ça évite qu'il y ait le double son. C'est mieux comme ça. Là où c'est aussi extrêmement utile pendant les cours, c'est qu'avec le stream en direct donc de YouTube, vous pouvez remonter le fin. C'est-à-dire, vous allez voir pendant les cours, je vais faire des démos sur mon ordinateur. Je vais montrer un truc, peu importe, etc. Vous dites, ah ouais, le truc que Christophe il a montré tout à l'heure, c'était quoi déjà? Vous allez sur YouTube, vous remontez de 5 minutes, et vous avez à nouveau le contenu. Ça remonte le temps. C'est une machine à remonter le temps, en fait, YouTube. Donc ça, c'est très, très, très pratique. C'est un des autres intérêts de ça. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je n'utilise pas de vidéoprojecteur. Moi, je n'utilise pas le vidéoprojecteur. J'utilise un autre outil. Sur vos machines, vous avez un programme qui permet de voir mon écran en direct. Normalement, dans la barre des tâches en bas, est-ce que vous avez un petit icône avec un V ? Est-ce que vous pouvez faire clic droit de souris dessus ? Si vous faites clic droit de souris sur le petit icône avec le V, normalement, il y a un petit menu déroulant qui s'est affiché et vous avez SNCPSSR. SNCPC, pardon. Vous cliquez sur SNCPC, ça vous affiche mon écran. Là, ce que vous voyez là, c'est mon écran. Alors, on va vérifier. On va tenter un truc. Le truc que je vais tenter, c'est ça. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que sur mon écran, vous voyez un compteur? Non. Alors, faites attention, vous avez peut-être des petits ascenseurs. Parce que vous, votre écran, il est peut-être plus grand que le mien. Donc sur mon écran, en bas à droite, vous ne voyez pas le petit compteur? Alors faites attention, il doit être peut-être un peu bas. Alors je vais peut-être l'inverser. Voilà, pour que ce soit plus facile, je vais peut-être le mettre au-dessus du chat. Voilà, si je le mets là. Est-ce que vous voyez les secondes défiler? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas les secondes défiler? Si vous avez verrouillé votre session de votre ordinateur, je vous écris le mot de passe au tableau. Donc le mot de passe de vos ordinateurs, c'est password compliqué, P majuscule, arrobas, 2SW, 0RD. C'est password, lettre. Pour le moment, tout le monde a le même mot de passe. Vous pouvez le changer si vous voulez. Si vous voulez mettre autre chose comme mot de passe sur vos machines, vous pouvez mettre autre chose comme mot de passe sur vos machines. Il n'y a pas de souci. Vous avez sans doute remarqué que je pose beaucoup de questions. J'aime bien qu'on y réponde. Je serais gentil d'y répondre. Si je pose des questions comme celle de tout à l'heure, c'est bon, tout le monde voit le compteur? Si vous ne voyez pas le compteur et que vous ne le dites pas, alors je sais, ça va vous choquer. Je ne lis pas les pensées. Ouais, je lis pas les. J'arrive pas à lire les pensées. Non, non, mais peu importe. Je lis pas les pensées, donc il faut m'interpeller. Ça fonctionne pas la password? Oui, le password. Ah bon? Ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu tapes? Password. Vas-y, fais-le. Alors, P majuscule arrobas 2SW0RD. RD, le R et le D. Tu peux cliquer sur le petit œil maintenant, s'il te plaît? Bon bah non, ne clique pas sur le petit œil alors, est-ce que tu peux recommencer? Alors, deuxième chose, premièrement, j'aime bien qu'on réponde à mes questions. Deuxième lien, j'aime bien que vous faites ce que je vous dis de faire. Si je vous dis clique sur l'œil, bah si c'est possible de cliquer sur l'œil, ce serait bien. Sinon après chacun fait ce qu'il veut et puis moi je vais aller jouer. Plutôt. 2SW, 0. Le 0, RD. RD, est-ce que tu peux cliquer sur l'œil, s'il te plaît? Petit œil au bout de la ligne. Alors, tu as écrit P majuscule en base 2SW, il ouais. N'y a pas le 0. Il n'y a pas le 0 parce qu'il n'est pas activé. Eh oui, donc il faut l'activer. Voilà, c'est bon. Non, c'est, tu peux recliquer sur l'œil s'il te plaît. Et on va recommencer. 2SW, base 2SW, 0.
RD. Est-ce que tu peux cliquer sur l'œil, s'il te plaît? Merci. Password, c'est bon. Entrée. Ah, est-ce que ça fonctionne avec le bon mot de passe? Oui. Félicitations. Donc là, tu fais clic droit de souris sur le petit V et tu cliques sur Sense PC. Et ça, c'est mon écran. Voilà. Donc je repose la question. Est-ce que quelqu'un ne voit pas le compteur défiler? Ça va? Donc c'est ce que vous utiliserez comme outil pour voir mon écran. Je vous conseille bien sûr de l'ouvrir tout le temps, quoi. De l'avoir ouvert en permanence, comme ça vous verrez toutes les démos que je fais, vous verrez les explications que je donne, etc. Et c'est ça qui est enregistré sur YouTube et sur Twitch. Donc vous reverrez ça. J'ai le même outil que vous qui me permet de voir vos écrans. Donc quand vous aurez un problème, quelque chose qui ne va pas, etc., depuis mon ordinateur, je peux voir votre écran, et bien sûr, je le mettrai dans le stream. Donc vous passerez en live à la télé, vous passerez sur l'internet. Donc faites attention à ce que vous mettez sur vos écrans. Hein. Si vous mettez votre messagerie perso, vous pouvez. Hein. Vous pouvez mettre vos comptes et vos messageries perso sur l'ordinateur, potentiellement ça passe à la télé sur l'internet. Donc faites gaffe à vos mails, attention, je vous préviens. Vous pouvez personnaliser les ordinateurs comme vous voulez, mais potentiellement... Alors bien sûr, j'essaye de vous prévenir avant, attention, tu passes à la télé. Mais bon, on sait jamais, des fois, il y a des petits oublis. Et comme ça, ben, on rigole bien. D'accord? Ça fonctionne pour tout le monde? Oui. Donc vous voyez mon écran, je vois vos écrans, comme ça. Pas besoin de vidéoprojecteur, c'est inutile. Le compteur n'est pas anodin. Pourquoi il y aura un compteur? Alors j'essaye de le mettre tous les jours, des fois j'oublie, je compte sur vous pour me le rappeler. T'as pas mis le compteur, Christophe? Le compteur, il va compter depuis normalement 9h du matin et il compte toute la journée. Ça sert à vous aider à noter les moments importants de la journée. C'est-à-dire que je vais vous expliquer... Bon alors maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le DNS au hasard. Vous notez. DNS, 5 minutes 30. Comme ça, quand vous allez revoir la vidéo, vous savez que le compteur, il faut qu'il affiche 5 minutes 30 pour l'explication du DNS. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, alors, si vous avez déjà fait Internet, on peut chapitrer les vidéos sur Internet. Moi, j'ai 7 heures de vidéos par jour à chapitrer. Non, je fais pas 7 heures de chapitrage par jour. Je le fais pas. Mais vous avez le compteur pour vous aider. Comme ça, vous retrouverez plus facilement les moments avec les explications. Donc, essayez de prendre l'habitude de, dans vos notes... Plutôt que de finalement noter une explication, notez juste l'heure du compteur. La vidéo, c'était deuxième jour, après-midi, compteur 2h22. Et là, il y a tel démo, tel sujet a été abordé à ce moment-là. Ça vous fera gagner beaucoup de temps quand vous re-regarderez les vidéos, quand vous voulez les retrouver. Ça aide beaucoup. Alors attention, j'ai mis le compteur parce qu'il ne faut pas vous fier à l'heure des vidéos YouTube. Vu que les vidéos YouTube, elles repartent à zéro à chaque fois, elles. Quand vous avez une vidéo de 2 heures, donc imaginons j'en ai 4 par jour de 2 heures, notez pas 14h30 l'après-midi. Ça ne voudra rien dire. Parce qu'il faudrait voir l'horloge qui est dans la vidéo, c'est compliqué. Alors que là, vous avez le compteur, j'ai mis un gros compteur, normalement, ça fonctionne mieux. Yes ? On est bon. On est bon ? Donc je disais, l'ordinateur que vous avez à vos pieds, vous en faites ce que vous voulez. On va beaucoup travailler avec. Au niveau matériel. C'est des machines qui ont 32 Go de RAM. C'est le point le plus important. C'est pour ça que je vous ai demandé, tout le monde, combien vous avez de mémoire vive. C'est le point bloquant. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup travailler avec la virtualisation. C'est-à-dire qu'on va créer des ordinateurs virtuels. Chaque ordinateur virtuel qu'on va créer vont consommer des ressources. L'idée, c'est que vous refassiez ce qu'on a fait là, ici, chez vous. Pour que vous puissiez le refaire chez vous, faut que vous ayez le matos. Si vous n'avez pas assez de mémoire vive, vous n'allez pas pouvoir refaire la même chose. Alors, il y en a certains qui n'ont que 16 gigas, par exemple, de ce que vous m'avez dit. Vous pourrez refaire des choses à la maison, mais moins, tout simplement. 32 gigas de RAM, pour ceux qui veulent mettre à jour leur config ou en acheter, c'est le minimum. En dessous de 32 gigas de RAM, vous allez pouvoir travailler. Je ne peux pas dire que vous ne faites rien, mais vous pourrez faire 2 VM, peut-être 2 machines virtuelles, peut-être 3. Ici, nous, on va monter des maquettes, il y en aura 10. Donc forcément, vous allez vous limiter. Donc, je répète, il serait confortable d'avoir au moins 32 Go de RAM à la maison. Le processeur, ça n'a pas d'importance. Le stockage, c'est pareil, on s'en fiche. Vraiment, le point critique,
c'est la mémoire vive. Normalement, tous ceux qui ont des portables, c'est mort. Rares, très rares sont ceux qui ont des portables avec 32 Go de RAM. Ça existe. Je ne sais pas combien vous les avez payés, mais bon, c'est plutôt cher. La plupart du temps, c'était fixe. Ceux qui n'ont pas de matériel à la maison et qui veulent le changer, etc., c'est le moment. C'est un très bon moment. Il faut acheter. Ça dépend de votre budget, mais si vous voulez avoir le budget le plus faible possible, achetez un PC fixe, pas un portable. Toutes les personnes qui ont un ordinateur portable n'achètent un portable que dans un seul objectif, le porter, c'est-à-dire le déplacer. Si vous ne vous déplacez pas avec, ça sert à rien. C'est de la merde. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Achetez un fixe. C'est mieux, c'est moins cher, c'est plus performant, ça consomme moins et ça prend moins de place qu'un portable. Eh oui, ça prend moins de place. Hein. Je suis désolé, l'écran, le clavier, la souris que vous avez là, ça prend moins de place que mon ordinateur portable qui me prend la moitié du bureau, à lui tout seul. Donc les portables, c'est que si vous vous déplacez. C'est tout. Si vous voulez racheter du matériel, achetez plutôt un ordinateur fixe. Ça vous coûtera moins cher et ce sera plus performant. Ou un AliExpress, je ne sais pas s'il va être plus performant. À voir. Faut avoir la qualité. C'est pas mal. Après, le cadre graphique... Alors, c'est un bon sujet abordé. La carte graphique ne sert qu'à une seule chose, jouer. Comme personne parmi vous ne joue, si vous devez racheter un ordinateur pour cette formation, pour avoir le matos chez vous, pour refaire chez vous ce qu'on fait ici, vous achetez un ordinateur qui n'a pas de carte vidéo. Pas de 4090, hein. Vous oubliez tout ça. Il vous faut la puce graphique intégrée dans le processeur, c'est largement suffisant. Largement. Et ça vous fait 1000 euros de moins sur le devis. Ouais, ça fait la diff. Vous allez chercher des ordinateurs portables qui n'ont pas de carte 3D et qui ont 32 Go de RAM. Oui, bah ça n'existe pas. C'est que les PC gamers qui ont ça, enfin les portables gamers qui ont des grosses configs. Bonjour, 2500 euros. Allez, c'est ciao. C'est bon pour vous? C'est cher. Et si on veut partir sur un PC portable, enfin, moi je prends le train par exemple. Si je veux, voilà, aller... mais là il y a une vraie raison. Voilà, je voudrais travailler dans le train. Ouais, j'ai pas le choix. C'est un PC portable qu'il faut. Et du coup, on est en 32 gigas, je veux pas balancer 2000 balles. Ah, c'est ça, et voilà, mais c'est un choix qu'il faudra faire. Mais sinon, d'occasion, enfin, moi je l'ai acheté d'occasion. Mmh. Ça se trouve. C'est un i9 avec 32 gigas, 1 Tera de SSD, super. Etc. J'ai acheté 700 balles d'occasion. Parfait. S'il fonctionne bien, t'en es content. Il a 405 ans. C'est pas grave. Il marche très bien. C'est pas grave. Et surtout, il faudra bien voir que moi, dans ce que je vais vous demander, c'est de la mémoire vive, parce qu'au niveau processeur, on va utiliser 0. On n'utilise que dalle au niveau processeur. Même si tu avais un i1, ça irait très bien. Il faut juste qu'il puisse faire de la virtualisation. Donc un i9, c'est t'es surdimensionné. Hein. Oui. Alors, on va pas prendre un i3, parce qu'ils font pas de virtualisation souvent les i3, mais un i5. Un vieil i5 à 4 ans, large, aucun problème. Les ordinateurs virtuels qu'on va créer, nous on va les administrer, on va les utiliser, mais on va pas les charger. Quand est-ce que le processeur va être chargé? C'est lorsqu'il va y avoir 25 personnes qui travaillent en même temps. Alors, je sais pas combien vous êtes dans le train, mais en général, tu vas être seul à travailler dessus. Donc les machines virtuelles, elles vont démarrer, et puis après, elles vont consommer 0. Il n'y a que la mémoire vive qu'elle consomme tout le temps, elle. Oui. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais il y a les images, quand même, sur le disque. Ah, mais ça, c'est du stockage. Ouais. Le stockage, c'est pareil. Oui, ouais, 250 gigas, ça suffit. Non, c'est pareil. Est-ce que tu as encore des portables qui ont moins de 256 gigas de stockage? Je crois pas. Hein. Ils sont à 500 au minimum aujourd'hui. Même ceux qui ont 4 ans. Hein. Et même, tu as récupéré un portable qu'on t'a donné ou d'occasion, machin, qui a carrément pas de disque dur. Il n'y en a pas, il n'y a rien du tout dessus. Ça vaut combien un SSD aujourd'hui? Ça vaut 20 balles et il fait 1 Tera. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Non, vraiment, la problématique du portable, c'est le processeur et la mémoire vive qui coûtent cher, en général. Donc, effectivement, neuf, c'est très cher. Aussi, mais souvent, en plus, c'est à l'avenant. Les grosses configs ont des gros processeurs. C'est normal, c'est parce que quand on fait un ordinateur portable... On ne peut pas trop changer les composants qui sont dedans. Hein. Donc il faut qu'ils soient homogènes. Il faut que ce soit cohérent. Si tu as un i9, en plus tu as une 4090 portable, tu as plutôt 16 voire 32 Go de RAM. C'est normal. C'est une grosse config. Mm-hmm. Bon, bah, youpi. Boum.
Un portable? Non, en mémoire. Ah bah ça dépend. Ah bah non. Non. C'est limité. Mais c'est limité à la carte mère. Non. Même ton ordinateur portable que t'as acheté d'occasion, ça se trouve 32 gigas, c'est le max qui c'est supporte. Maxi, le même. Tout est soudé sur la carte mère. Ah bah en plus, non, alors là, laisse tomber. On peut rien changer. Là. Ah oui, non, mais c'est ton Mac. Ouais. Ah bah oui, c'est un Mac. Là. Évolution Apple. Non. Non, c'est impossible, ça pas dans la même phrase. Oui, ça s'appelle le changer. En racheter un nouveau, ça s'appelle. Donc non. Catastrophe. Donc voilà, si vous avez besoin d'acheter du matériel, on a des gens qui étaient chez Surcouf il n'y a pas longtemps. Oui. Peut-être encore des connaissances pour avoir des tarifs. Donc voilà, si vous devez acheter du matériel, le point numéro 1, c'est la quantité de mémoire vive. 32 Go, quel que soit DDR 1, 2, 3, 4, 5, 12, je m'en fous. Ça, la vitesse n'a aucune importance. Si par contre vous voulez acheter du matériel et que vous vous dites, je vais faire comme Christophe il a dit, je prends 32 Go de RAM et puis tout le reste après on s'en fout. Mais vous dites, peut-être que quand la formation sera finie, je vais peut-être jouer un peu parce que j'aurai le temps, je me serai mis dans l'informatique et puis il y aura Call of Duty ouais, le 8 qui sera sorti. Je me rajouterai peut-être bien une petite... Alors on sera à la 6080 à ce moment-là, je voudrais mettre une 6080 dedans. Bah prévoyez large quand vous achetez aujourd'hui. C'est-à-dire acheter un grand boîtier, hein, si vous achetez un fixe évidemment, hein. Vous achetez un grand boîtier, vous achetez un processeur pas trop pourri, enfin, peut-être pas un i5, hein, on prend un i7 ou un i9, pas forcément de dernière génération, et prévoyez la place, tout simplement. Voilà, c'est juste ça auquel il faut penser, au cas où vous voudrez jouer un jour. En PC fixe. Oui, en fixe. Ah bah, le portable, c'est mort. Alors, le portable, là, tu pourras pas changer la carte vidéo d'un portable. Hein. Oui, voilà, faut juste qu'il y ait la place. En plus, elles sont de plus en plus grandes, hein, les cartes vidéo, maintenant. Elles commencent à faire... Ouais, elles te prennent 3 U, elles toutes seules, c'est un peu compliqué, des fois. Mais bon, ça peut... Alors, attendez, je teste le truc. Est-ce que ça fonctionne, ça? Ah, excusez-moi, je teste le chat. Parce qu'il y a un chat, ceux qui veulent passer... Ça fonctionne, ça fonctionne pas. D'accord, donc voilà pour le matériel. Tout marche bien. Il y a un processeur, c'est mieux AMD ou Intel? Alors, étant d'une mauvaise foi sans nom, moi je n'achète que de l'Intel. AMD, c'est de la merde. D'accord. Non, c'est fini, tout ça, ça dégage. Ça va pour bricoler trois conneries, mais c'est, on travaille, on fait de la virtualisation, on va faire de la virtualisation imbriquée, on va faire des trucs compliqués sur AMD une fois sur deux, sa merde. Moi j'ai un processeur Intel, que j'ai en stock en fait. Et bah très bien si t'as de l'Intel. Ouais, j'ai un Intel à 5. C'est bien. Et évidemment, si vous jouez, les cartes vidéo, Nvidia. Nvidia. Bien sûr. Sur l'OS familial, pro. On va en parler après de ça. Okay. On va en parler. D'accord. Concernant le matériel toujours, dont vous aurez besoin. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un ordinateur. Vous n'avez pas les moyens de mettre à jour votre configuration. C'est pas grave. L'ordinateur que vous avez ici, vous y accédez évidemment quand vous venez tous les jours. Mais pas que. Il est accessible à distance. Vous pouvez depuis chez vous, vous connecter à l'ordinateur qui est ici, pour continuer de travailler, pour refaire les exercices, etc. Pardon ? Ah bah si tu veux y accéder, oui, c'est mieux. Ah, c'est vrai que s'il est éteint, c'est compliqué d'accéder à des choses à distance qui sont éteintes. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est pas possible. Mais il y a peut-être une nouveauté qui sortira un jour. Mais oui, bah évidemment, faut le laisser allumer si vous voulez vous y connecter. Ça veut dire que si vous avez besoin d'acheter quelque chose, vous avez le temps. Pas obligé de le faire aujourd'hui. C'est pas obligé de même le faire la semaine prochaine. Vous avez le temps de commander, de regarder, etc. Vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. La seule chose dont vous aurez besoin pour vous connecter ici depuis chez vous, il vous faut un chez vous, il vous faut un ordinateur chez vous, et il vous faut un accès internet chez vous. Est-ce que quelqu'un n'a pas les trois? Il faut quand même qu'il y ait ta bonne RAM. Non, on s'en fout. On s'en fout, t'as un vieux truc tout pourri. T'as un Mac. T'as un Linux. Ouf. Parce que du coup, c'est... Alors par contre, excuse-moi, il faut une petite. Faut un Linux avec une interface graphique parce que ça passe par un navigateur. Bah, oui. Faudra pouvoir surfer sur un navigateur, désolé, c'est pas en ligne de commande. Ouais. Pardon.
Non, mais de toute façon, changer la machine. Donc voilà, vous vous dites, c'est pas le moment, j'ai pas les moyens de changer mon ordinateur. Surtout, bon, c'est une config. La config que je vous dis, si vous la rachetez en entier, c'est dans les 600-700 euros qu'il faut mettre hein, quand même. Pour avoir une UC, hein, je parle un PC fixe. Voilà, avec 32 Go de RAM, c'est à peu près ça. Ça dépend des tarifs que vous avez. Il y en a qui le payent hors taxe, ils l'auront moins cher. S'ils ont des amis. Ou voilà, je veux dire neuf. Un truc neuf, prix normal, sans l'acheter d'occasion et sans promo. C'est ça qu'il faut compter comme budget. Si vous n'avez pas ce budget-là, bon, bah, prenez un PC AliExpress, il sera peut-être qu'à 400 euros, celui-là. Mais voilà, ça dépend. Voilà. Mais vous n'avez pas forcément le budget, c'est pas grave. Vous pouvez tout faire depuis chez vous. Vous pourrez vous connecter depuis chez vous, ici. Évidemment, il faudra laisser l'ordinateur allumé pour vous connecter depuis chez vous. C'est quelque chose qui sera très utile, soit parce que vous n'avez pas le matériel, soit parce que vous n'êtes pas là. Vous pouvez ne pas venir. Vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez rater votre train. Vous pouvez avoir la voiture qui ne démarre pas. Vous pouvez avoir un enfant malade qu'il faut garder. Peu importe la raison, vous n'avez pas pu venir aujourd'hui. C'est pas grave. Vous avez la diffusion du stream en direct pour regarder de chez vous. Et de chez vous, vous pourrez vous connecter à votre ordinateur ici. Donc, le distanciel, en fait, il fonctionne avec ça. Il fonctionne avec ça. Donc, vous pourrez vous connecter en distanciel et suivre le cours, même si vous n'êtes pas là. Bon, je ne vous cache pas que le présentiel, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Mais, voilà, pour une raison quelconque, voilà, vous pouvez le faire depuis chez vous. Non. Toujours pareil, à condition que vous ayez un chez vous, un ordinateur qui fonctionne chez vous et un accès Internet qui fonctionne. Donc si on est en cas de maladie, on peut rester chez toi. Obligé de se mettre en arrêt maladie, on peut rester chez soi, suivre le cours. Si ta maladie te permet d'avoir un chez toi, d'allumer ton ordinateur et d'avoir Internet, voilà, t'as le Covid, faut que tu restes 5 jours chez toi, bah, tu restes 5 jours chez toi, il n'y a pas de problème. Vu qu'il y a le hibou, c'est un micro mais c'est un haut-parleur aussi, donc on verra ça après, mais il y a un serveur Discord, et vous pouvez vous connecter sur un serveur Discord pour parler, donc ce qui fait que même si t'es chez toi, on t'entend ici. D'accord. C'est surtout nous deux, on entend bien, parce que le serveur il est là. Mais c'est pas comme si t'étais dans la salle, mais c'est pas mal. Oui. Et du coup pour la connexion, on télécharge VNC Viewer ? Ah non, pas du tout, patience. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment on fait ça. D'abord je vous explique d'abord les choses, et puis après je vous montre. D'accord. J'ai une petite question, qu'est-ce qui est le mieux entre avoir le bon matos à la maison ou alors se connecter ici ? Ah, c'est avoir le bon matos à la maison. Parce que, alors je préfère largement ça, parce que ça t'oblige à faire les choses deux fois. Okay. On a fait un truc dans la journée aujourd'hui, si t'as pas de matos à la maison, tu vas pas vraiment le refaire, parce que tu vas te connecter ici, ouais. Et tu vas juste voir ou revoir les choses qu'on a fait. Alors que si t'as le matos à la maison, t'es obligé de le refaire. En plus, t'es à la maison. C'est pas tout à fait comme ici. Donc tu vas devoir t'adapter, il y a peut-être des choses un peu différentes. Ton PC à la maison, moi je sais pas comment il est monté, je sais pas ce que t'as installé dessus. C'est mieux. Okay. C'est mieux de refaire à la maison sur ton matériel à toi. Ça t'oblige à t'adapter et ça t'oblige à refaire les exercices une deuxième fois. Okay. Ça c'est mieux. Ça c'est ma préférence à moi. Ça marche. Je l'ai pas chanté ça. D'accord, donc c'était pour le matériel. Le matériel qui vous est fourni, clavier, souris, écran, etc., si ça ne vous convient pas, la souris elle est trop petite, le clavier vous ne l'aimez pas, vous pouvez amener votre matériel. Vous préférez votre souris parce que vous avez une souris ergonomique, vous amenez votre souris, vous amenez votre tapis de souris. Je vous demanderai qu'une seule chose, vous n'amenez pas de clavier mécanique. Tout ce que je vous demande. Voilà. Pas de clavier mécanique, ça fait beaucoup trop de bruit, évidemment. Même si c'est, voilà, c'est des soft switch. Non, c'est pas possible. Donc, non, pas de clavier mécanique, mais sinon, vous amenez ce que vous voulez. Vous voulez amener vos clés USB, vos disques durs externes, vous les amenez, etc. Vous amenez des virus, etc. Amenez-les, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Ici, c'est l'échange, le partage, l'amitié. Faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. Non, je déconne pas, vous pouvez amener ce que vous voulez. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser Non, il n'y a que dalle. T'es fou, tous les pare-feux sont désactivés. On va pas se faire chier avec ça, t'es fou, toi. Non, vous amenez ce que vous voulez. Aucun problème. D'ailleurs, pendant la formation, vous allez voir que je vais vous donner plein de programmes, plein de logiciels. Ce ne sont que des versions d'évaluation que vous aurez. Donc, tout ce qui vous est fourni, vous pourrez le récupérer et le ramener chez vous. L'utiliser chez vous, on va faire plein de maquettes, plein d'exercices, plein d'installations, ben vous pourrez tout réinstaller chez vous si vous voulez. Vous pourrez tout refaire pareil. Alors, pour ceux bien sûr qui ont
un ordinateur qui peut l'encaisser chez eux. Hein. Pas ceux qui ont des Mac, quoi. On parle pas de Linux, j'en parle même pas. Ouais, c'est clair. J'ai arrêté de te parler, toi. Donc, vous pourrez tout récupérer, normalement, dans les disques durs de vos machines, sur ces deux points, si je dis pas de bêtises, vous avez un dossier qui s'appelle Source. Est-ce que vous l'avez ? Ouais. Est-ce que vous avez le petit dossier Source ? Oui. Hop. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bah, il y a plein de logiciels dedans. Vous avez normalement, vous avez des fichiers ISO de Windows, de Windows Server, de... Interface graphique. Alors, si je te dis Windows E, oui. Tu préfères la touche de raccourci ? Oui, non, mais c'est bon, du coup. C'est tu fais Windows E, oui, ça lance l'explorateur. C'est... Ah, mais tu le connaissais ? Je connaissais la touche raccourci. Ah, bah, ouais, bah, utilise la touche raccourci. Non, mais la souris, c'est pour les débutants. Hein. Ouais, avant, je n'avais pas de souris. C'était tout. Bah, voilà. Côté, lycée. Donc voilà, dedans, vous avez donc les sources de tous les logiciels. Donc, enfin, tous, non, pas tous. Hein. Il y a certains logiciels qu'on va utiliser pendant la formation. Tout ce qu'il y a là, vous pouvez le ramener chez vous. Vous pourrez le réutiliser si vous voulez. Vous pourrez réinstaller les maquettes. Vous avez un autre outil dont on va se servir pour justement tous les logiciels. Ça s'appelle le NAS. Alors, est-ce que vous pouvez faire la touche de raccourci Windows R, s'il vous plaît ? Windows R, ça vous a tapé quoi ? Ça ouvre exécuter. Ça ouvre normalement la commande exécuter, exactement. Et dedans, vous allez taper la commande suivante. Hop, je vous la mets dans le stream. Mmh. Voilà. Elle y est déjà. Elle y est déjà. Ça, c'est un sacré coup de bol. Vous faites OK. Si elle y est déjà, vous faites OK. Donc normalement, ça sert à vous connecter au NAS. Donc le NAS, c'est un petit stockage réseau qui est lié par terre, là, etc. C'est un stockage réseau qui vous est dédié. C'est, il est pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Christophe ? Oui ? Excuse-moi, le Windows R, moi, ça fait rien du tout, ça m'appuie sur rien. Ouais. Ah bon ? Bah, c'est pas possible, ça. Vous appuyez bien sur la touche Windows ? Laquelle ? Windows R ? Ah ! Enfin, il te... Après, t'as fait exécuter et t'as fait ton. T'as fait OK. Quand tu fais Windows R, ça fait rien. Ouais. Okay. Voilà, ça mais... fait OK. Et voilà. Ouais, mais aussi, c'est pas normal ça. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça n'a ouvert pour personne ? Non. Ah, bah mince. Qu'est-ce qu'il y a ? Le NAS, il est débranché ? Je demande d'activer la découverte de réseau. Attendez. Parce que là, ça passe pas. Si se passe, ne peut pas accéder. Ah, mais ça parle les copiettes. Mais qui c'est qui a éteint le NAS ? Ah, bah oui. Voilà. Donc, règle numéro 1, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit allumé. Bah, faut attendre. Parce que qui se lance, il est au charbon. Il faut le temps que la chaudière se relance, que la vapeur tourne. Ça charge un peu, ça va pas répondre tout de suite. Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous y retournerez plus tard. Quand il sera démarré, faut pas que je l'éteigne alors, c'est mieux. Et dedans, dans le NAS, il y a. Bah, tout est pour vous. Donc, vous verrez, il y a un dossier application dans lequel il y a plein d'applications. En fait. Il y a un dossier normalement TSSR47, je crois que je l'ai créé, qui vous servira d'échange si vous voulez échanger des choses entre vous, récupérer des trucs, bah, vous pourrez les mettre dedans, ça fait un point central pour la formation. Il y a un dossier ancienne session, où c'est les dossiers des anciennes sessions d'avant, il y a plein de traces de tout ce que vos prédécesseurs ont laissé. Donc moi j'y mets pas trop le nez dedans, hein, c'est un peu l'histoire de toutes les promos d'avant, donc je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. On a déjà un espace de partage sur le mail. On a reçu un mail avec un lien vers un extranet. Oui, c'est ça. Mais il est limité en fait en taille. D'accord. Là, c'est un NAS de plusieurs terras. Donc dedans, il y en a du merdier. Hein. Il y a plus d'un tera. Oui, je crois qu'il fait plus d'un tera. Bon, je le nettoie de temps en temps quand il n'y a plus de place. Mais alors, est-ce qu'il a démarré le gars ? Toujours pas. Non. Toujours pas. Ah si, c'est bon, il a démarré. Oui, c'est bon, il a démarré. C'est une session.
sur l'application. C'est bon ? Voilà. Oui. Même si c'est bon. Il y en a qui m'ont dit que c'est bon. Oui, c'est bon. Il t'en veut, hein ? Voilà. Ça arrive. Non, vous êtes allé trop en même temps, là. Ça lâche pas. Oui, il y avait Windows R, mais... T'as essayé l'autre touche Windows ? C'est laquelle ? Bah, celle qui est à droite. Non, pardon. Il y en a deux. Ok. Ah, ah bon, ça veut dire que ton clavier, il a la touche Windows qui fonctionne pas. Ah, il va falloir qu'on change ton clavier alors. Non, pas changer ton clavier. Donc, est-ce que ça a fonctionné ? Oui, ça a fonctionné. Donc voilà, vous avez plein de trucs, des dossiers. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était le dossier application. Et dans le dossier application, il y a... Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Donc des fois, pendant la formation, j'utiliserai la phrase suivante. Est-ce que vous pouvez aller dans le NAS ? Dans le dossier application, vous allez récupérer tel dossier, des cas, machin, ça va se trouver dedans. J'essaye de faire ça quand on a besoin de logiciel, plutôt que vous dire, alors vous allez sur le site du logiciel, vous téléchargez le logiciel, donc il faut le télécharger 14 fois. Plutôt que de faire ça, j'essaye de le faire à l'avance, le mettre dans le NAS, vous dire, allez récupérer ça dans le NAS, et là vous avez juste à le copier et le récupérer. Voilà, après le reste, les autres dossiers, voilà. Je vous ai fait un dossier TSSR47. Donc bon, il est vide, hein. Normalement il n'y a rien dedans pour le moment. Si vous voulez mettre des trucs dedans, bah, vous mettez des trucs dedans. C'est vous qui voyez. Puis après ça ira dans autre session. Et le dossier Christophe Baudot, c'est le cœur. C'est aussi le mien. Avec un petit cœur. Je sais pas, il y a un mec qui a fait ça une fois. Ah. Or je l'ai laissé, je trouve ça mignon. Tu sais, je suis très sensible moi. Jean, je suis plutôt... Ah bah on me l'avait jamais faite celle-là, dis donc. Ah quel blagueur. Ouais, mais ça c'est les mecs qui courent, ça. On les reconnaît. Je les reconnais. Ils font de la blague, hein. Mec, il est drôle. Tonton fait rire, ça. Ouais, Tonton fait rire. Alors, toujours dans les outils dont vous allez avoir besoin. Très important, comme ils l'ont dit quotidiennement, vous allez devoir émarger. C'est les signatures. Normalement, la signature, bah, c'est écrit là. Connexion d'Andréo, hein, vous avez ça sur votre petit chevalet. Donc je vais vous inviter à le faire maintenant. Vous allez déjà signer pour ce matin. Parce qu'il faut que vous signiez ce matin, cet après-midi, demain matin, demain après-midi, après-demain matin, après-demain après-midi, après-après-demain matin, après-après-demain après-midi, après-après-après-après-demain après-midi. C'est le week-end. Ah oui, non, bah, c'est le week-end. Ah, il y en a un qui suit. Bien, tout le reste adore. Félicitations. Non, mais ça, c'est les Linuxiens. Les Linuxiens, ça. Oui, c'est l'éducation nationale. Toi, tu connais les dates, tous les jours fériés, tous les week-ends, toutes les vacances, tu les connais. Tous les jours de rentrée, tu cherches tes vacances. Direct. Ah ouais, c'est le premier truc à chercher, évidemment. Ouais. Évidemment. Ah bon, on est surveillé par Big Brother. Donc là, le texte de Big Brother, c'est le chat, ça. Donc il y a des gens d'Internet qui vous suivent. Hein. Attention. Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter et à signer. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez un petit QR code, pour ceux qui préfèrent. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone, ça doit vous amener sur la page, et pour signer avec le doigt sur votre téléphone, c'est plus pratique que de le faire à la souris. Donc j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous sauver du courroux de Coralie, parce que c'est elle qui vérifie tout ça, et si les signatures ne sont pas faites, vous allez vous faire éclater. Coco, elle rigole zéro avec ça. Donc, si vous êtes en distanciel, vous signez quand même. Hein. Vous signez quand même. Même si vous êtes t'es en maladie, mais tu peux quand même suivre un peu. On signe quand même les émargements. Si on a oublié, ça peut arriver, moi, vous avez complètement oublié de signer, c'est pas grave, on peut faire des sessions de rattrapage. C'est-à-dire, je pourrais vous dire, ça arrivera, hein, je vous dirais... Voilà. Mélanie, t'as pas signé pour lundi dernier ? Allez, vas-y, signe maintenant. Il vaut mieux mettre des initiales. Il faut mettre une signature. Signature. Alors, c'est la signature. Il faut signer avec la signature. C'est la signature. Okay. Your signature. You can sign it, please ? Avec le doigt, non. C'est si, qu'on est le doigt tôt. Une gribouille. La gribouille. Alors, tu peux faire une gribouille, mais... Ce qui serait bien, ce serait que ce soit tout le temps la même. Ouais. Tu fais la même gribouille là pendant 4 mois, deux fois par jour.
Vous pouvez la refaire, vous avez un petit... Pourquoi pas, parce que il y a un petit bouton pour effacer la signature que vous avez faite. Oui. Ok, il y a une question. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut mettre que les initiales ou pas? Non. Merci. Ça arrivera plein de fois que vous reposiez la question qui a été posée 10 secondes avant. C'est bien, je sais rien. Ah ben, alors, soit c'est parce que à chaque fois les gens n'ont pas entendu, soit ils le font exprès. Juste pour me mettre en colère. On part sur quelle possibilité? Tu fais ça pour me faire chier ou parce que t'as pas entendu? Donc ça arrivera très souvent que vous n'entendez pas une question, vous n'entendez pas la réponse, vous reposez la question, c'est pas moi qui répondrai à la question. C'est celui à qui j'ai déjà répondu, qui répondra à ma place. Comme ça on va voir s'il m'a bien écouté celui à qui j'ai répondu à sa question. Concernant les questions, justement, vous allez avoir des milliers de questions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me dire « j'ai une question ». Si vous m'interrompez, c'est que vous avez une question. On va gagner du temps. Est-ce que tout le monde peut lever la main et dire « Christophe » ? Allez-y, faites-le. Christophe. Tu le fais pas, toi. Ça commence à se rebeller. Ce sera le signal. Le signal comme quoi vous avez une question, c'est Christophe. Alors, ça permet de m'interpeller parce que je vais souvent être comme ça. Donc, dans mon champ de vision, à part toi, peut-être un peu, je te vois du coin de l'œil, mais alors l'autre côté, c'est mort. Donc, appelez-moi. Vous appelez, alors surtout toi, gueule. Gueule, connard. Bah, tu fais ça. Sinon, une question, laisse tomber. Parce que vous ne serez pas les premiers ni les derniers à le faire. J'ai remarqué que souvent l'être humain a tendance à parler tout seul, à parler à haute voix, à se parler à lui-même, à parler à son voisin, ou à me parler à moi. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je lis pas les pensées. Donc je ne sais pas si tu es en train de lui parler, en train de te parler, ou en train de me parler. Donc, d'où l'intérêt de faire « Christophe ». Alors, je suis désolé, mais alors, tu t'essaieras de pas répondre. Ah, on va dire que ça te concerne pas. Ou alors, faudrait qu'on trouve un autre nom. Ou si vous voulez, vous pouvez m'appeler Sensei. Ça, on me le dit souvent, Sensei. Pourquoi Sensei? T'es sérieux, là? Non, mais t'es sérieux. T'as jamais vu Naruto? Ah non, non, ça, c'est pas ma génération, je pense pas. Pas que Naruto, c'est... Bien sûr, c'est pas que Naruto, c'est ça veut dire aussi. Maître, c'est le maître, c'est le prof en japonais. C'est... Tu connais pas ça non plus? Non. Sensei Ken. T'as du boulot là. Hein. Je connais pas tout ça. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta vie? C'est pas ta jeunesse. C'est pas mal. Dans les papiers de début, c'est la génération d'avant. Non mais tu rigoles, hé, hey, oh. Non, moi je suis plus vieux que toi, hein, donc... Moi, j'ai grandi avec ça et ça n'a jamais... Ça n'a jamais vie. Ça n'a jamais vie. Ça veut dire connard en japonais, celle-ci. Comme ça, ça évite qu'on se fasse shadowban par Twitch ou par YouTube. Ça, c'est des insultes, mais pas dans la bonne langue, donc ils ne trouvent pas. Et oui. Donc tu peux dire sensei si tu veux, ou Christophe, mais bon, ça sera embêtant parce que... Les gens qui voudront parler à Christophe, ça va, et c'est moi qui répondrai, ou je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interpeller. Christophe, quand t'as dit tel truc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux répéter? Alors évidemment, je parle surtout à ceux du fond. Hein. Il y a des chances que vous entendiez pas tout ce que je dis, peut-être pas parce que je parle pas assez fort, mais il y en a peut-être, il y a 4 rangs devant vous qui discutent. Donc le son se mélange peut-être. N'hésitez pas à me faire répéter, il n'y a pas de souci. Il y en a qui faisaient ça, ils amènent un casque, et ils réécoutent le stream quand justement ils n'ont pas entendu quelque chose, ils veulent réécouter un truc de ce matin pour pas déranger. Il y a des cartes son sur toutes vos machines, il n'y a aucun haut-parleur de branché. Hein. C'est pas le merdier, hein. S'il y en a 14 avec les haut-parleurs, ça irait pas. Mais vous pouvez amener votre casque si vous voulez réécouter un peu une question ou quoi, ok, c'est du stream, évidemment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous mettre bien. Vous pouvez amener vos fauteuils aussi si vous voulez, hein, votre fauteuil gaming, vous pouvez l'amener. Oui. Pour les questions, on ne peut pas utiliser le chat aussi.
Alors, vous pouvez utiliser le chat si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même plus interactif et plus rapide de se poser la question. De temps en temps, il y a des questions du chat et c'est vous qui répondez. D'accord. C'est à vous d'y répondre. C'est sympa parce que ça fait une intervention externe. Ça marche ? Concernant toujours les questions, très 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 souvent, je ne réponds pas à vos questions. Je ne réponds à vos questions que par une autre question. L'objectif, alors attention, tout le monde est assis, ça va être de vous faire réfléchir. Ouais, je vous laisse encaisser. C'est pas le truc des miroirs, hein, réfléchir. Non. Petite cellule grise de la tête. Donc ne dites pas, mais quel connard, il répond jamais aux questions. Non, oui, je réponds jamais aux questions. Je vous fais réfléchir. Et souvent, ça amène une autre question. Et je vous repose une question. Et en général, dans ma question, c'est « Je t'avais demandé d'apprendre ça par cœur, alors je t'écoute. » Et là, on s'écrase en flammes. Et je dis « Bah oui, si je vous demande d'apprendre les choses par cœur, c'est justement parce que vous en avez besoin. C'est aussi pour vous faire chier. » Pas trop, mais c'est un peu pour vous faire chier. D'accord ? Et oui, il est très strict. Il est très strict. Ouais, on avait dit psychorigide. Ouais, strict, c'est peut-être moins... Ça fait moins peur que psychorigide strict. C'est peut-être mieux... Au moins le premier jour. Psychorigide. C'est trop tard. C'est dit... Ah ouais, non, mais je me le note pour la session d'après. Pour les 48. C'est ça que je suis strict. C'est mieux. Non, je suis bélier, en fait. Ça marche ? Alors, donc tout le monde a réussi à signer ? Ah, on était parti là-dessus quand même. Y a-t-il un échec de signature ? Je vois tout le monde. Tout le monde a fait son petit gris-gris. C'est parfait. Faudra donc faire ça deux fois par jour. Présent ou absent, faudra le faire pour tout le monde. Hop, et je valide que tout le monde était là pour ce matin. C'est parfait. Et Christophe ? Oui. Ah, ça a très bien fonctionné. Parfait. Pour l'auto-positionnement, j'ai remarqué que vous avez un formulaire à remplir. Ben je ne sais pas de quoi tu parles. C'est... Mais ça, vous avez peut-être pas fait tous les, t'as peut-être pas fait tous les documents administratifs. Je vais tout péter. Elle a tout cassé. Du calme. Installez-vous comme vous voulez. Hein, si les écrans sont trop bas, trop haut, il faut vous mettre à l'aise. Hein. Il faut vous mettre à l'aise. Alors, ils sont trop bas. Ils se Les écrans, ils sont trop bas. Alors après, on peut toujours bricoler, aller chercher des annuaires, des livres. Tu veux qu'ils soient remontés ? Ah oui, les pieds sont... Alors on peut les orienter vers le bas comme ça ou vers le haut, mais tu peux pas les monter. Donc si tu veux le monter, on peut te mettre de... Il n'y a pas besoin de grand chose. Bah amène tes bras si t'as des bras. T'en as pas. Dommage. C'est pas grave. Hein. Donc oui, installez-vous comme il faut. Alors, à propos de l'installation, je m'adresse aux rangs qui sont à droite là. Vous êtes plus serré qu'à gauche. Est-ce que ça passe bien ? Quand vous rentrez et que vous sortez, j'ai vu que tu avais été obligé de te lever pour qu'il puisse passer, etc. On peut tirer encore un petit peu les tables ou resserrer derrière ? Oui, oui. Faut que vous soyez quand même à l'aise dans la salle. Donc, ça va pour tout le monde ? Ouais. Parfait. Alors, hop. Très bien. Nickel. Alors, vous allez faire une petite vérification de quelque chose. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous connecter donc depuis chez vous à votre ordinateur. D'accord ? Il va falloir qu'on configure vos ordinateurs pour que vous puissiez vous y connecter. Alors pour ce faire, vous allez devoir faire une petite vérification. Une nouvelle fois, vous allez lancer la commande exécuter et vous allez écrire cette commande. Alors, on va voir si tout le monde arrive bien à voir mon écran. Vous arrivez à lire la commande ? Mmh. 6dm.cpl. Mmh. Ça a dû vous ouvrir une fenêtre ? Oui. Oui. Dans les propriétés système, il y a plein d'onglets. Il y en a un
qui s'appelle utilisation à distance. Donc c'est l'onglet utilisation à distance. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie du bas, qui s'appelle bureau à distance. Vous y êtes ? Vous allez devoir changer la configuration. Il faudra mettre autoriser les connexions à distance à cet ordinateur et décocher n'autoriser que les connexions aux ordinateurs de bureau à distance avec l'authentification NLA, c'est-à-dire ceci. C'était déjà fait. Tant mieux. Si c'était déjà fait, vous pouvez tous vérifier que vous êtes configurés de la même façon. C'est ça qui va permettre de se connecter à distance à cet ordinateur. Et vous faites OK si vous avez dû le changer. Ou pas. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné ? C'est bon ? Parfait. Ah. Très bien. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez devoir ouvrir un navigateur. Et dans le navigateur, vous allez écrire l'URL suivant. Non, j'ai fait AFOB. Vous connaissez AFOB ? Hop, je vous le zoome. Donc https://webaccess.afib.fr/formation. Normalement, quand vous faites entrer, ça doit vous demander une authentification. Elle est écrite sur votre chevalet. Sur votre chevalet, vous devez avoir une adresse de messagerie. Il y a l'initiale de votre prénom suivi de votre nom, @afi.fr. Non ? Juste l'adresse complète, c'est www.afi.fr/formation. Merci. F-O-R-M-A-T-I-O-N. Formation. Christophe ? Oui ? Accessible. Alors, voyons voir, qu'est-ce que tu as tapé ? Eh bien, on va voir si ça marche dans l'autre sens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était le 8. Ouais. Je dis pas de bêtises. Alors, web. Alors, access, il y a deux C. Tu as mis qu'un seul C, access. Web A2CE2S.fi.fr/formation. Entrée ? Yes. Donc, je redis. Access.fib. Je sais pas non plus. Tu l'as pas non plus. Access.afib.fr. Webaccess.afib.fr. Non, t'es pas le cas. T'es pas le cas. Ah, mais non, t'es le 3, toi, pardon. Tac. Non, alors attends, de quoi tu me parles ? Du site internet ? Ouais, du lien access.afib.fr. Webaccess.afib.fr. Bah, t'es dessus. Mais j'ai site inaccessible. Ah non, mais. D'accord, t'es dans l'autre sens, les écrans. Alors, t'as oublié le web. Avant le A, il y a écrit web. W-E-B. Avant le A de Access ? Oui. Web, W-E-B. Tu lui mets sa ligne. A, de C-E, 2S à Access. Ah oui. It's in English. It's a web access. Oui. Dot ifab, dot ifr, slash. 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 Yes. Access. Donc, le login et le mot de passe. Donc, je répète, le login et le mot de passe, il est écrit sur votre chevalet. Initiale de votre prénom suivi de votre nom, @afib.fr. Et le mot de passe, il est écrit en dessous. Je vois, voilà, il y a des lettres, des chiffres mélangés et tout. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que moi j'existe ? Je ne vais pas mettre mon mot de passe dans le stream. Que ça vous a amené une page avec des signets. Oui. Enfin, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à s'authentifier ? Oui. Alors, voyons voir. Elle est où la boulette ? Je pense que tu vas pouvoir le garder. Donc, qu'est-ce que tu tapes ? Vas-y.
Il faut juste que ça rentre dans ma tête après. Non, alors, je suis pas chez le bon. Comment ça se fait 1, 2, 3, 4. T'es pas TSSR 05? Donc V, ouais, vas-y. Et privé de connexion. Ah. Il y a dû avoir une boulette à la création. Alors c'est... Ce site est inaccessible. Alors c'est qu'il y a une erreur dans l'URL. C'est obligé. Je crois que t'es bon. https://. Ouais. Access, il y a deux S. Web access, il y a deux C et deux S. Deux C et deux S. Et deux S. Ah ben voilà. Et ben voilà. Access, il y a deux S. Entrée. Super, merci. La touche entrée de ton clavier. Appuie sur la touche entrée de ton clavier, ça fonctionne. Merci. Voilà, donc vérifie que tu arrives bien à t'authentifier. Ouais. Ta 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 ta. Qui c'est qui a créé ces comptes? On peut pas leur faire confiance, ces gens. Tac, tac. Alors, faut que je fasse ça. Il a raison, Jean-Charles. Ça fonctionne jamais, l'informatique. C'est ça, c'est ça. À part Véronique, pour tous les autres ? Non, 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 toi non plus ? Même chose, t'arrives sur droit refusé ? Ouais. C'est ça qui te dit ? Ton nom de famille, c'est quoi, Véronique ? From. Avec un F ? Oui. Alors. Je connais pas par cœur. Je te le prends. Alors. Ça, ça c'est sécur, hein ? Allez, essaye, vas-y. Vas-y, on essaye.
Alors, tous les deux, vous pouvez taper le mot de passe dans le nom d'utilisateur. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas une touche qui déconne sur le clavier. Hmm. Parce que là, Véronique, je te l'ai réutilisé. C'est le bon mot de passe qui s'affiche ? Ouais. Mmh. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai changé le tien aussi, Roland. Comment ? J'ai changé le tien, Roland. Ah ! Ah, la boulette. Non, attends, c'est peut-être pas ça le problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une faute de frappe par hasard ? Donc c'est R-S-Y-L-V-A. Ouais. Ouais. Bah ça, c'est bon. Et on est qu'il y a deux M à ton nom de famille. Oui. Deux M. F-R-O, deux M. Oui. Ah, c'est bon. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être autre chose. Et non, non, il n'y a pas d'autre webcam. Voyons voir si j'essaye de vérifier un petit quelque chose. Pour tous les deux. Alors, notre 4, 5, 6. 5, 6. Véronique, tu peux me réécrire la barre d'adresse là en haut, l'URL que tu as tapé. Est-ce que tu peux la réécrire s'il te plaît? Ah bah c'est pour ça, faut que tu écrives slash formation. T'avais pas écrit le slash formation ? Non. Ah bah c'est pour ça. Même chose, Roland ? Ouais, j'ai pas vu le slash formation. Eh bah voilà, slash formation. F-O-R... Non, non, non. Non, non, c'est pas bon. C'est webaccess.afib.fr. Allons voir. Allez, tu passes à la télé pour la peine. webaccess.fi.fr/formation, est-ce que ça va fonctionner? Ah ouais. Je vais le cacher parce que sinon tu vas mettre ton mot de passe. De la chance. Donc à mon avis c'était bon. C'était le good mot de passe. Ouais, c'est bon. Oui, c'est mieux. Voilà, ça va, ça fonctionne. Eh ben pour la peine tu vas faire la démo pour tout le monde. Roland, ça a fonctionné ? Ouais. C'est mieux. Parfait. Donc. Comment ça se fait que t'as déjà ça, toi ? T'as déjà un signet Nastéi ? Mais oui, aussi. C'est ça. On a tous ça. On a tous ça. Et quand on clique dessus, non. On clique sur... pas. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, bah là, non, non, faut pas ça. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est que vous cliquez sur le bouton en bas à droite, qui s'appelle Nouveau signet. Vous avez un petit plus. Ouais. Avec nouveau signet. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Oui. Ben vous cliquez sur nouveau signet. Ça doit vous afficher une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir créer un nouveau signet. Vous allez sélectionner
celui qui s'appelle RDP. Bien évidemment, on va faire des trucs maintenant que vous comprenez peut-être pas. On reviendra après, pendant les cours. Ne me demandez pas, mais c'est quoi le RDP? Qu'est-ce que ça veut dire, machin? On va en faire plein, vous allez en manger pendant une semaine. Ça viendra en temps et en heure. Quand vous avez sélectionné RDP, vous devez remplir le champ nom. C'est le nom de votre connexion à votre ordinateur. Donc vous l'appelez, je sais pas, PC IFPA, par exemple. PC formation. Quel nom vous donneriez à la machine qui est devant vous, sur laquelle vous tapez? Victime. Voilà. PC Alex. Très bien, si tu sais ce que ça veut dire. Tu lui as donné, je t'ai donné un petit nom. Tu l'appelles Alex. Oui. Sympa, c'est mignon. T'as raison. Et en dessous, il y a hôte. Donc dans hôte, il faut que vous écriviez 172. J'ai fait une bêtise avant. Faut vous refaire 6dm.cpl, excusez-moi. J'ai oublié de vous faire un truc avant. Laissez comme ça, là, laissez tourner. Vous refaites Windows R et vous écrivez 6dm.cpl. J'ai oublié de vous faire noter quelque chose. Voilà. Votre ordinateur porte un nom. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit dans le champ nom de l'ordinateur? Il doit y avoir écrit TSSR quelque chose. Alors, non? Dans nom de l'ordinateur, il n'y a rien d'écrit? Tu le vois pas? Description de l'ordinateur? Non, nom de l'ordinateur. Ah oui, TSSR 13, pardon, excuse-moi. Alors, la lecture. Alors, petit rappel pour tout le monde. La lecture, c'est de gauche à droite et de haut en bas. C'est mieux. Alors, pour lire le français et l'anglais. Si vous lisez le japonais, c'est pas du tout dans cet ordre-là qu'il faut lire, attention. Hein. Donc il y a plein d'autres langues qui se lisent dans un autre sens. Mais en ce qui nous concerne, nous, ce sera beaucoup, 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 beaucoup de gauche à droite et de haut en bas. Donc essayez de lire de gauche à droite et de haut en bas, ça aide. Surtout quand je vous pose la question, est-ce que vous pouvez lire quelque chose? Donc vos ordinateurs s'appellent TSSR quelque chose. Je vais énoncer un chiffre. Celui qui porte ou celle qui porte ce chiffre peut-il lever la main? 01. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Ah, mince, il n'y a pas de 11. Christophe? C'est peut-être moi, hein, mais je suis en train de faire. Ah, tu n'es pas en train de faire ce que je demande de faire alors? Non, mais tu préfères faire autre chose? Je vais essayer d'avancer la fenêtre. Alors? La fenêtre que vous avez marqué là, priorité, système. J'ai donc demander quelque chose. T'as pas réussi. Non. Christophe? Non, j'ai pas réussi. Eh bien, il faut m'appeler. Eh bien, il faut le dire. Oui. Alors, je le répète, je ne lis pas les pensées. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire derrière votre écran, hein, quand vous bricolez quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes en train de faire ce que je demande de faire. Mm-hmm. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous devez m'interrompre. D'accord. Je vais dire stop. Alors, souvent, avec les autres promotions, à ce moment-là, on définit un mot code. Le mot d'alerte, quoi, le mot d'urgence qu'on doit dire pour dire stop, on arrête tout là. On arrête tout parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Donc, il faut choisir un mot code. Donc, il faut se mettre d'accord. Et en général, ce n'est pas un mot qu'on peut dire dans une conversation normale en ce qui nous concerne. Il ne faut pas que tu dises formation, arrête, démarre. Non, il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit un truc qui n'a rien à voir. Tu sais? Qu'est-ce que c'est trop long? Cacahuète? Mais cacahuète, c'est pas mal! Parce que cacahuète, trop long. Elle a dit c'est trop long? C'est trop long. Un trop long? Non, c'est trop long. Cacahuète, c'est trop tu long. Tu veux que le mot code ce soit c'est trop long? Non, non, ça va pas là, ça va pas du tout. Mais non, cacahuète, ouais, pêche, bah voilà! Pêche, c'est très bien! Il y a peu de chances qu'on utilise le mot pêche dans. Non? 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 Bah faut faire des propositions là! Faut faire des propositions, mais surtout, faut que tout le monde se mette d'accord. Donc si c'est pêche, je suis en train de me dire, ah là, vous faites ça, si j'entends pêche, ah, c'est-à-dire que j'arrête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a un problème, c'est bloqué, ça marche pas. Vous voyez l'idée? Christophe? Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Christophe, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais du coup, tu sais pas pourquoi on t'appelle. Voilà. Alors que si c'est pêche, je sais que c'est parce que je suis allé trop vite. Si c'est pêche, c'est... Ah, il y a un truc que j'arrive pas à faire. Bon bah c'est pêche alors. On part sur pêche alors. Pêche. T'avais quoi?
mouche dans le kebab, mais c'est trop long. C'est trop long. Il y avait mouche dans le kebab. Mouche dans le kebab. Ah ouais, mouche dans le kebab, c'est pas mal, mais c'est un peu long. Apparemment, faut pas que ce soit trop long. Hein. Donc voyons voir. Alors Christophe, tu me dis que tu y arrives pas, il y a un problème. Alors donc si je ne m'abuse vu qu'il n'a pas répondu, Christophe, c'est le 11. C'est bon. Ah bah tu y es. Donc la question était, celui qui a le numéro que je vais donner, peut-il lever la main? 10, 11, 12, 13, 14. Ces numéros que vous avez, c'est ce qui vous identifiera. Il y a plein de moments où je vais donner des exercices, où je vais donner des numéros, et vous devrez chacun individualiser ce numéro. Je vais vous donner un exemple. L'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple là. Je vous ai mis tout. Je fais ça, donc je vais écrire. Voilà. Je vous dis, veuillez taper 192.168.x.1. Quand vous me voyez écrire X, vous devez le remplacer par votre numéro. Donc ce sera 11.1, 3.1, 1.1, 13.1, chacun le sien. Donc j'écrirai X à chaque fois à la place. Donc X, c'est votre numéro. Donc normalement, j'avais oublié de présenter le X. Dans la fenêtre où je vous ai demandé de créer le signet. Bon, on va voir Christophe où il en était. Alors, Christophe, est-ce que tu étais dans la fenêtre où on crée le signet? Voilà, parfait. Donc, tu as écrit PC Angèle 15. Ça, c'est ton... Tu fais ce que tu veux. Oui. Mais dans l'autre, tu vas écrire 172. Avec le X remplacé par... Tu vas me laisser finir de parler. Pardon. Et après, je vais te le dire. Ouais. Donc, vous écrivez tous 172.25.x. Vous devez remplacer X par votre numéro, point 1. Donc je répète, tout le monde écrit 172.25.x.1. Et vous remplacez X par votre numéro. Oui. Pour mon numéro, je mets 05 ou 5. Ça n'a pas d'importance. Christophe, oui. Tout à l'heure, j'ai énoncé un numéro à haute voix et tu as levé la main. Est-ce que tu te souviens quel numéro c'était? 11. Tu peux me dire ce que tu as écrit à la place du X, toi? 10. Ok, donc je répète, vous devez remplacer X par votre numéro, pas celui de votre voisin. D'accord, non, mais je crois qu'il fait le national. Non, bah, il faut faire ce que j'ai dit de faire, faut pas croire. Non, non, faut pas croire. Il n'y a que les croyants qui croient. Et le croyage, ça n'amène pas de bonnes choses. Donc, 172.25, exemple pour Christophe X, c'est 11 pour lui, point 1. Si vous descendez, il y a écrit « utilisateur ». Ça doit être votre login de tout à l'heure qui s'affiche. Vous l'effacez. Et à la place, vous écrivez « administrateur ». Donc vous effacez tout ce qu'il y a écrit sur « utilisateur ». Vous écrivez « administrateur ». Oui. Moi, sur « utilisateur » et « mot de passe », il n'y avait rien initialement. On fout. C'est pas grave. Pour effacer, il faut écrire « administrateur ». Et le mot de passe du dessous, c'est celui qui est écrit au tableau ici. Donc vous écrivez... Jusque-là, on va se poser 0RD. S'irrite facilement, ça me donnait l'occasion. Je ne l'avais pas entendu. Il s'irrite facilement. N'importe quoi. Non, il y a les gens du chat qui disent n'importe quoi. Parce qu'ils sont pas là. Eux, ils savent pas. Oui. Donc une fois que vous avez écrit administrateur dans le champ utilisateur, que vous avez écrit le mot de passe du tableau dans le mot de passe, vous descendez jusqu'à clavier. French. Oui. Oui. Je ne sais pas comment on fait 0. Et ça c'est 0. C'est 0. Ça c'est la façon d'écrire 0 pour ne pas confondre avec O. Ah, okay. Ça veut dire 0. Le chiffre 0 est avant le 1. Parce que 0 est vraiment avant 1. Ils l'ont changé. 0, ils l'ont mis entre le 7 et le 8. Mais non. Ils l'ont mis en ovale. Oui, les trucs où mais alors le problème, c'est quand tu écris, t'écris ovale, rond. Moi, je préfère faire un rond barré, ouais, ça, c'est zéro. Mais pourquoi ils l'ont fait? Donc, au niveau clavier, je vous invite à choisir la langue que vous préférez. French Apple. French Apple, voilà. Pour les gens bizarres, ils prennent French Apple. Ah oui, c'est-à-dire que... French, c'est très bien, hein. French, ouais. French.
C'est-à-dire, c'est le, le clavier qu'on va utiliser. Mandarin, si vous voulez, oui, c'est lié au clavier que vous utilisez. Donc, ça se trouve, French Apple, il y a la pomme, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais, j'en sais rien, là mais de toute façon, t'inquiète pas, c'est changeable. En dessous, il y a écrit sécurité. Vous avez un petit menu déroulant où il y a écrit standard RDP encryption. Est-ce que vous pouvez sélectionner TLS encryption, s'il vous plaît? Et une fois que tout est bon, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Ça vous a créé un signet. Ce qui s'appelle le nom du PC que vous avez choisi, Alex, PC Rouge, machin. Et si vous cliquez dessus, ça doit verrouiller votre écran. Est-ce que ça fonctionne? Pour déverrouiller votre écran, ce que ça a fonctionné, vous retapez le mot de passe qui est écrit au tableau. Tout va bien. Si ça t'a verrouillé ton écran, ouais, c'est bon. Que ça fonctionne. Ouais, c'est que ça pas... Alors pourquoi, mais pourquoi moi, ça m'a en fait verrouillé. Ah bah c'est quelle boulette alors? Mais c'est quoi ça? Bah t'as ton écran d'authentification avec administrateur. T'as quoi? J'ai autre utilisateur. C'est ça. C'est pas ça. Alors il y a surtout. J'ai fait ça, j'ai mal ouvert ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Ça veut dire que dans ton signet, t'as mis le mauvais nom d'utilisateur ou le mauvais mot de passe. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, fais rien, ne clique nulle part. Lève les mains. Je vais pas faire modifier. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Alors, ton numéro à toi, c'est le 13. 13. C'est parfait parce que tu vas servir d'exemple. Imaginons que sur votre signet, vous avez fait une erreur. C'est genre, c'est pas le bon clavier, Apple, ça marche pas, etc., tu veux revenir. Quand vous retournez dans votre signet, il y a un petit stylo en haut à droite du signet qui va vous permettre de le modifier. Est-ce que tu veux bien cliquer sur le stylo? Voilà, administrateur, c'est bon, tu as dû te tromper dans le mot de passe. Est-ce que tu peux réeffacer tout le mot de passe et bien réécrire P majuscule, les 0D. Et recliquer sur enregistrer. Réessaye de cliquer dessus. Là, c'est bon. Ah oui. Voilà. Donc si le système disait nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, ça veut dire que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Incorrect. Christophe, j'ai fait la même erreur, je pense. Eh bien, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, même erreur, même solution. Du coup, parce du que coup. Là, je suis dans administrateur, mot de passe, mot de passe, et je fais quoi là? Tu peux fermer cette... Normalement, c'est un nouvel onglet dans ton navigateur. On part sur le 12, toi. Le 12, ouais. Ouais, t'es le 12. C'est monsieur le 12. Ah, mais si, ça fonctionne parfaitement. T'es verrouillé là. Ouais, mais si je refais, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. Ça fonctionne parfaitement. Vas-y, remets ton mot de passe. Ah, non, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ça, si tu. Le problème du truc un peu bizarre, c'est que ce signet permet de vous connecter à l'ordinateur depuis chez vous. Sauf que là, tu es sur l'ordinateur auquel tu veux te connecter. C'est Inception, quoi. Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu te connectes à toi-même. Donc, ça te verrouille. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Ça a parfaitement fonctionné pour tout le monde? Ben, c'est très bien. Ça veut dire que vous essaierez de faire ça chez vous, ce soir. Ce que je vais vous demander, quand vous allez partir aujourd'hui, cet après-midi, hein, à 18h, 19h, je déconne. Quand vous partirez, vous laissez vos ordinateurs ouverts. Vous laissez les ordinateurs allumés, je veux dire, pardon. Vous ne les éteignez surtout pas. Ce soir, cet après-midi, quand vous rentrez à la maison, vous avez donc bien une maison, un ordinateur et un accès Internet. Oui. Là-dedans, avec un navigateur qui fonctionne. C'est pas grave, ça marche avec le téléphone aussi, si tu veux. C'est vrai? Tu pourrais tester. Bah, le problème, c'est que l'écran est comme ça, quoi. Bah, pour travailler, c'est ouf. Mais au moins, tu peux tester. Vous pouvez voir que ça fonctionne depuis l'extérieur. Donc chez vous à la maison, vous ouvrez un navigateur, je vous rappelle l'URL, https://webaccess.afib.fr/formation. Ça vous redemande l'authentification, normalement c'est celle qui est écrite là, et vous n'aurez pas besoin de refaire le signet, il y est déjà, vu qu'on vient de le faire. Donc vous aurez juste à cliquer sur le signet PC Alex là, et ça doit vous afficher l'écran que vous avez là. Si tout fonctionne correctement, c'est comme ça que vous accéderez donc à la machine d'ici depuis chez vous pour ceux qui sont... Afib, ouais, tu peux redire le lien de... https://... Ouais, webaccess.afib.fr.
Alors il y en a, il y en a beaucoup qui font ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils mettent ça dans leurs favoris sur les navigateurs. C'est assez pratique. Ça, on n'a pas besoin de leur taper. Le slash formation. C'est nouveau, hein. Ou pas slash formation. Indispensable ou pas? Oui. Je sais pas, on va demander au numéro 5 et 6. Numéro 5 et 6, est-ce que slash formation est indispensable? Oui. Okay. Oui, c'est un grand oui. Merci. Oui. Non, j'ai mis slash formation pour la déconne. C'est décoratif. C'est juste. Ouais. Non, mais des fois, on peut enlever un truc, ça marche quand même. Ah ouais. Donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas le mettre, et ça fonctionne quand même, mais je vous demande de le mettre quand même. Okay. Intéressant comme point de vue. Non, bah, c'est intéressant. Non, mais j'ai dit que je faisais plein de trucs pour vous faire chier. T'as raison. T'as une logique. Oui, la logique du mec. Tout ce qu'il fait, c'est surtout pour nous faire chier. Ça doit. Il commence, tu vois. Tu t'es dit, il commence déjà à faire chier. Il nous met des faux trucs. Non, le slash formation est obligatoire. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça fonctionne? Alors, pour le déjeuner d'à midi, ils vous ont dit qu'il y avait plein de choses dans le quartier? Oui. Il y a plein de choses dans le quartier pour manger. Donc vous avez un vendeur de sandwich qui est un petit peu plus loin là, derrière. D'accord. Ah oui, non. Avant de vous lâcher, j'ai besoin de quelque chose. Je vais vous envoyer une invitation pour, j'ai oublié de le faire, pour le serveur Discord. Donc j'ai monté un serveur Discord exprès pour vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous ne connaît pas Discord? Quand même. Un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est? Enfin, connaître, l'avoir en fait. Enfin, bah, l'utiliser, c'est quoi ce truc-là, Discord? C'est pour pouvoir parler à distance. C'est ça. C'est un serveur de chat. Pour vous, donc c'est un serveur sur lequel vous allez pouvoir chatter entre vous. L'objectif, c'est que vous ayez un espace en dehors de la formation. Vous allez pouvoir dire tout le mal que vous voulez de moi sur le serveur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des blagues. C'est très 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 souvent utilisé pour vous tenir au courant. Je suis en retard ce matin. Plutôt que d'envoyer un SMS à juste une personne, etc. Vous mettez un message sur le Discord et tout le monde le voit, le message que vous mettez sur le Discord. Comme ça, je sais que Véronique, bon, bah, elle a 10 minutes de retard, elle l'a mis dans le Discord. On est au courant tout de suite. On peut s'échanger des fichiers avec et surtout... Dans le Discord, c'est l'outil qui vous servira à parler si vous êtes en distanciel. Si vous êtes chez vous, il y a des salons vocaux, vous vous mettrez dans le canal vocal, et quand vous allez parler, on vous entendra. Et comme ça, bah, je pourrais interagir avec vous, etc., même si vous n'êtes pas là. Il y en a des fois qui le font même quand ils sont en retard. Ils lancent Discord, ils sont dans la voiture, et ils écoutent YouTube, ouais, comme ça, ouais. Ou ils écoutent Discord, et comme ça, ils ont au moins le son du début du cours. Parce qu'ils savent ils arriveront à l'admi, ils ont une demi-heure de retard, ça aura commencé, bah, ils ne ratent pas le début du cours. Pour ça, j'ai besoin de vos adresses de messagerie. Parce que je vais vous envoyer une invitation par email. Donc, pardon ? Il faut qu'on s'inscrive, nous, sur Discord, si on n'est pas... Ah bah bien sûr, alors, ça fera partie de la nécessité, il vous faut un compte Discord. Bon, normalement, tous les gamers, ils ont des comptes Discord. Et ceux qui ne sont pas des gamers, bah, ils n'ont pas de Discord, et voilà. Je suis pas sûr. Donc, je vais avoir besoin de vos adresses de messagerie. Est-ce que vous pourriez tout simplement écrire votre adresse mail sur votre écran, quelque part, sur l'invite de commande, dans Word, dans ce que vous voulez? Parce que je vais me connecter à... Il ne faut pas utiliser celle qui est... Non. Non, c'est pas une messagerie, ça. C'est pas une messagerie. C'est juste un identifiant. Alors, il est où, le gars? Tac. Alors, on va commencer par... Alors, le 14. Le 14, vous pourriez m'écrire votre adresse de messagerie quelque part, s'il vous plaît? Oui, je fais. Non, on doit exécuter dans le bloc-notes, voilà, faut juste que ce soit affiché à votre écran, pour que je puisse vous écrire. Une adresse que vous utilisez, hein, sur laquelle on peut vous écrire un email. Une adresse mail, peu importe. C'est bon. Que tu utilises, oui. Où on peut t'écrire un mail. Voilà, c'est tout. C'est bon. Alors, vous êtes monsieur 14? Oui. Ouh, je me zoome, là, c'est tout petit, là. Ah ben oui, mais... Ah, mais attends, mais je suis trop con.
Attends, excuse-moi, je tente un truc. Putain, mais j'essaie peut-être la désadresse. Ah, bien sûr que non. Ça aurait été trop simple. Donc, tac, 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 tac. En attendant, inscrivez-vous sur le site de Discord pour ceux qui n'ont pas déjà une adresse Discord. Non, mais cache pas ton adresse là. Pardon. Ou fais-le sur l'autre écran si tu veux. Alors, et de 1. Pas deux. Il n'y a pas deux, Arthur. Arthur, non, il n'y a pas deux. SFR. Ça fonctionne pour les 4 premiers là ? Oui. Vous avez reçu quelque chose ? Oui, j'ai reçu. Tune. Donc cartoon. Monsieur le 9. Oui. J'ai pas ton adresse. Ah si, c'est celle-là. Si. 22 oui. C'est celle-là qu'il faut que j'utilise. C'est PLB ? Ouais. Okay.
Jimmy, il y a deux M. Hein. C'est ça. C'est pas d'email de vérification de Discord. Ah, ça je sais pas, faut que tu vois avec eux. Hein. Oui. Regarde dans tes spams. Ben oui. Ça avance, ça avance. Allez, les deux derniers. Ça arrive, ça arrive. La Olive Corporation. iCloud. Je sais pas trop si je peux l'écrire ça. Hein. Je sais pas si ça va passer sur mon ordi. Hein. Ouais, je suis vraiment de mauvaise foi. C'est ouf. Et allez. Le dernier Olivier. Ah. Tu m'as pas mis ton adresse mail ? Non. Est-ce que ce serait possible de l'avoir quelque part sur ton écran ? Oui, ce serait mieux. Que je puisse t'écrire. À une adresse quelconque. Ouais, facile. C'est bon ça. Ouais. Il manque le point, mais c'est. Il y a des points entre.
Ah, c'est point. Ouais, c'est Olivier point. Je vais pas rentrer, hein. Non. J'ai mis le point com. Ouais, c'est Olivier point. Ouais. Bon, on va voir. C'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas reçu l'email pour se connecter au Discord? Bon, bah parfait. Donc, je vous invite à vous connecter. Quoi? Que dit Big Brother? Il y a un restaurant KFC à côté? Ah, vous risquez de grossir si vous y allez tous les jours. Aïe, 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 aïe. Donc, je disais, ouais, pour aller manger, vous avez donc le petit vendeur de sandwich qui est juste derrière. Donc, en fait, il faut sortir du bâtiment, vous allez à droite. Vous suivez la grille, en fait, il y a une rue. Vous allez voir, c'est un bâtiment avec des barres rouges. C'est au rez-de-chaussée. Sinon, vous pouvez aller sortez de la zone et vous avez le BK, vous avez le Pizza dell'Arte, vous avez KFC, vous avez une petite trattoria italienne, vous avez. Mais non, il y a surtout Salad & Co. Non, ou Eat Salad. Il y a un truc qui vend du verre, un peu plus grand. Je sais pas ce que c'est. Salad & Co. Bah, si tu dis, c'est Salad & Co qui est un peu plus grand. Et bien sûr, vous êtes invité à amener vos gamelles, si vous voulez, en respectant le frigo et les micro-ondes. Allez. Oui. Ah bah voilà. Ah bah j'ai dit tout le monde l'a reçu. Toujours pas, toujours pas. Alors, bon, j'ai dû faire une bêtise. Parce que moi, je suis pas très doué avec mes doigts, donc. Alors oui, il y en a deux que j'ai. Ah, ça c'est bon. Effectivement, on n'a pas travaillé, donc c'était petit Louis 33 point. Alors attends, je vais revoir. Toi, t'es le 9. C'est Monsieur le 9. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme faute de frappe? Je vais le retaper alors. J'ai peut-être. J'ai certainement fait une boulette. Alors. C'est normal, j'avais fait une faute de frappe. Je suis un boulet. Donc je répète la question. Manger du verre. Non, n'importe quoi. Donc, à part Pierre-Louis, c'est bon, tout le monde l'a reçu. Oui, oui, quand je fais pas de faute d'orthographe dans l'adresse de messagerie, ça fonctionne mieux. Oui, voilà, donc vous avez l'invitation, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, créer un compte Discord si vous n'en avez pas, et vous authentifier sur le Discord, et bienvenue sur le Discord des TSSR 47. Donc c'est pour vous ce Discord, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez dedans. Je peux créer d'autres salons si vous voulez plusieurs salons, je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé pour discuter entre eux le soir par exemple. On verra. Ça marche à table? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vamos a comer. Let's go. Allez, ciao la commu. Like, partage, abonne-toi. Lâche un com. Allez, hasta prime. Comment on rate ça? Allez, zou.